Allez, on va se faire un donjon. Et comme il cherchait ma pitié tout à l'heure, peut-être qu'on n'aura même pas besoin de le combattre. Peut-être qu'il se rendra de lui-même. Ah bah il est là. Disparaît créature, va trouver satisfaction ailleurs. Tu ne franchiras jamais la porte de mon temple. Ah bah ça c'est ce que tu crois. Ah, une épée dès le début, ça c'est bien. Blizzard divin, repousse et gèle les ennemis. Ça a l'air stylé ça aussi. Ça c'est clairement un des nouveaux maléfices qu'on vient de débloquer juste avant là. Ok, c'est plutôt du corps à corps. Oula. Lorsque les 5 deviennent 4, puis 3, puis 2, puis 1, les 5 ne sont plus. La couronne rouge a toujours effrayé Calamar. La peur l'a rendu lâche. Ma porte est la prochaine à laquelle tu devras toquer. Toc toc fait l'agneau avant de détruire tout sur son passage. Fin des temps, fin du monde. Ok, t'es poète. Oula, ça c'est marrant ça. Les araignées là. Ah, l'épée, ça c'est agréable à jouer, Loïc. Oh non, pas eux. Ah, c'est assez puissant le gel là, ça les bloque pendant quelques petites secondes. Hop. Choper un collier de fleurs. Il n'a pas eu le temps de faire son attaque et c'est ton mieux. J'ai l'impression d'avoir loupé le gars des tarots là. Il est peut-être au tout début. Je vais voir cette salle que j'ai laissée. C'est bien ça. Lorsqu'il vous reste plus qu'un demi-point de vie, tous les ennemis reçoivent 2 dégâts, ouais. Ah la bombe, vas-y on va essayer la bombe. Je me demande si ça me fait des dégâts à moi la bombe. Je pense que oui. Il revient au bout de combien de temps cette bombe? Ah, une carte de tarot. Monte les dégâts infligés de 30% durant la nuit. Alors là c'est le jour. Ah, il y a notre pote. Il s'appelle déjà Haro. Les liens de la famille ont laissé place aux chaînes de la soumission. Un pouvoir en apparence incontrôlable et pourtant réduit à néant. Les idées pernicieuses anéanties avant d'avoir pu se propager. Quelle cruauté, hélas, que pouvait-il faire d'autre? Qui peut vaincre la mort? Personne ne le peut. Ok. Ça va me surprendre cette bombe au bout d'un moment, je sens que ça va me retomber dessus. Alors, on va passer par là, je pense, pour monter là.
La nourriture là, ouais. Ok, on va faire ça comme ça. Les sentiments du cœur sont les seuls dont on peut être certain. Ah merde, du coup j'ai choisi l'objet. J'avais pas compris. Bon, c'est pas grave. J'ai pris quoi? Ouais, c'est ça, un petit cadeau. Pour interrogation, je sais plus ce que c'est. Ah, c'est des rencontres un peu random comme ça. Hey, j'ai entendu parler de toi. Tu as fondé un culte, pas vrai? Si tu me laisses quelques pièces, je pourrais augmenter la fidélité de tes adeptes. Oh. Vas-y, augmente la fidélité de genre Fingar, tiens. Tu comptes combien de pièces ça? Et voilà, comme quoi l'argent fait bien le bonheur. Ah bah y'en a un dans ce chat qui serait totalement d'accord avec toi. Je pourrais passer par les pierres, non ça sert à rien, je préfère aller là. Hein, quoi? Oh non, rien. Tu t'es senti visé? Je sais pas. Je sais même plus ce que j'ai dit en fait. De dégâts je crois dans cette salle. Ah les tarots. Non. Multiplier les dégâts des maléfices par 1,25. Allez. On part sur un build un peu maléfice. Loïc 2 a atteint la vieillesse. Bon. Tour de Loïc, hein. Chacun son tour, finalement. Je me demande si je donne un collier de rallongement de la vieillesse à quelqu'un qui est déjà vieux. Si ça marche, est-ce qu'il est vieux longtemps en fait, avant de mourir? Ou le gardien divin. Les deux secondes d'invincibilité. Je crois que je vais rien prendre. J'avais allé juste visiter la salle que j'ai laissée en bas. Tu vas abandonner cette belle romance naissante pour ton culte. Ah putain, c'est vrai qu'il y avait ça. Mais j'ai pas. J'ai rien de bien pour faire des plagues ski. Il est bientôt terminé la quête d'adepte. Oh bah j'ai bien fait d'aller voir cette salle, il y avait un cœur et demi. C'est vrai que Estelle s'est complètement détruite de voir son crush mourir dans d'atroces souffrances. On va essayer peut-être de trouver une solution, mais... Ça paraît compliqué quand même. La nourriture. On ramasse des choux-fleurs.
Moi, j'ai l'impression que tant que je suis pas dans le donjon numéro 4, je pourrais pas faire des plague skills. Laisse-les vieillir ensemble. Bah, le truc, c'est que je sais pas quand toi tu vas vieillir en fait. Peut-être qu'il va crever avant. Et puis si il meurt de vieillesse dans mon culte, j'aurai un malus. Non, il y en a un qui était pas encore mort. Oh, j'ai des betteraves, j'avais pas de betteraves avant. Peut-être. Alors peut-être. Le Plagski. Ah merde. Ah, ça tape aussi les ennemis, là. Espèce de chariot de pique, là. Ah, qu'est-ce qu'il propose lui? Tire 3 projectiles à la fois. La dague non. Et le gant maudit. Non, je gardais l'épée. Je vais peut-être prendre ça. C'est pas mal ça avec mon amélioration des maléfices. Max. Voilà. Tu auras déjà causé assez de souffrance comme ça. Alors, c'est pas vrai. Ce qui souffre ici, c'est vous. c'est pas vos personnages. Faut dire, vos personnages, ils sont contents de se sacrifier pour le culte. Ils sont contents de se sacrifier pour le culte. Parce qu'ils savent que ça apporte de la joie. Oh, 2 cœurs supplémentaires. Et des bonus intéressants de la foi d'ailleurs. Pour le culte. Et même que les autres adeptes, ils sont contents quand les vieux sont sacrifiés. C'est dingue ça quand même. Bien dit, mais tu viens d'où toi Loïc? T'es le premier à te réjouir quand les gens meurent dans ce culte. Parce que ça te concerne, maintenant c'est plus très drôle, c'est ça? Alors, c'est quoi, c'est la hache? Non, c'est le marteau. Plus corrompu, on avait déjà essayé, c'est pas fou. Ah, le boss final. Il est là. Je te croyais plus vaillant que ça, tu vois, Eric. C'était rigolo, cette petite
truc de... d'eau là. Petite couille. Alors, salut. Il est tout blême, il est tout blanc. Méprisable petite vermine, tu n'es rien. Tu ne comprends donc rien, agneau. Écoute ma mise en garde et fuis. Bah, avant, tu faisais pas le mariole. Hein. Tu faisais pas le malin. Oh, waouh. Oh, il est plutôt stylé, le calamar. Là en bas, ça me trigger, voilà. Ah ouais, carrément. C'est pas juste la déco, ce TP, apparemment. Il est venu me slash la gueule. Oh, c'est chaud. À éviter ce truc là. Oh putain, c'est chaud. Va falloir sacrifier un pote. J'ignore quand je suis pas fait toucher, mais c'est... ça tient du miracle. Ah, c'est bon, on se fait toucher. On dirait qu'il te pisse dessus, ouais, j'avoue. Alors. Oh putain, Jeffowski. Est-ce que 4 coeurs ça me suffira? Je suis à moitié de ses vies. Ah, Jeffowski, c'est barge, mais j'aurais jamais besoin d'autant de cœur, quoi. C'est ça que je sacrifie. Bah, Loïc, il est vieux, en vrai, je pourrais le sacrifier là. Je crois qu'on va mettre fin à la romance. Ou alors, je sacrifie Bubu. Pour aucune autre raison que de laisser la romance perdurer. Les autres sont trop faibles. Décidément. Allez. Il faut vous mettre dans l'idée que vous êtes content de le faire. Enfin, que vos personnages sont contents de le faire. Regarde, ils sourient tous. Il a choisis-moi, choisis-moi.
En fait, je me demande si 4 cœurs, ce sera suffisant. Parce que la deuxième partie, elle avait l'air assez vénère quand même. Hein. Est-ce qu'il serait temps de dire au revoir à Jeffowski? Juste pour assurer le combat. Ça, c'est toi qui essaie de nous le mettre dans l'idée. Bah non, mais regarde-les, il sourit. C'est pas moi qui les fait sourire en pensant. Et ils ont l'air en pleine possession de leurs moyens, hein. Regarde les yeux blancs. On dirait vraiment bien que c'est eux qui réfléchissent pour eux, quoi. Profite comme il est pas là. Ouais, mais en vrai, c'était un peu mon chouchou, quoi. Il a fait que du positif pour le culte. Mais en vrai, t'as raison. Ce sera sa dernière bonne action du culte. Avec le nombre de cœurs que j'ai, j'avais pas besoin d'éviter quoi. Allez hop. Là en fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je farme un adepte pour qu'il soit vieux pour le combat contre le dernier boss. Du nombre de cœurs que ça me donne. On a le trophée de calamar. Justement, comme c'est ton chouchou, c'est dans ta logique, il sera heureux de le faire. Bah voilà, on était d'accord dessus. On voit donc comment Philippe récompense ses chouchous. Eh oui. Et du coup, vu que j'ai un autre totem, enfin un collier de vieillesse là, je vais en farmer un pour qu'il soit vraiment très vieux quand je serai contre le quatrième boss. Et ça me fera plein de cœurs en rab si jamais je meurs. Hérétique vaincu. Bon, une bonne chose de faite là. Hein. Ah, celui qui attend. Calamar a toujours été une créature faible et lâche. Le monde se portera mieux maintenant que sa carcasse hideuse n'est plus qu'un tas de chair en décomposition. Bientôt, je connaîtrai la liberté à nouveau, et je façonnerai le monde à mon image. Tous se soumettront à mon culte, tous s'inclineront devant moi. Ouais. J'ai son moyen, finalement, ce gars-là. La souffrance d'autrefois sera le triomphe de demain. Ce qui devait périr jadis... Merde. Le truc de l'avenir, j'ai pas lu le mot. Regardez, j'ai un cœur qui bat. C'est bien. Loïc, il est quand même très très vieux, là. T'as vu la vitesse de déplacement? On va voir. Ah merde, c'est la nuit. Oh là là.
améliorer ma couronne. Oh merde, je savais pas que vous alliez venir pour la couronne. Et on va prendre le dernier truc de puissance quoi. Dépendance. Tous les membres du culte gagnent la croyance dépendance. Plus 22 fois lorsqu'un rituel de lavage de cerveau est effectué. Faible constitution. Tous les membres du culte gagnent la croyance faible constitution. Vitesse de travail et génération de dévotion plus 10%, mais moins 50% de chance de tomber. Mais 50% de chance de tomber malade après le rituel. Non, j'ai pas envie d'avoir ça. C'est trop chiant, les malades. On va juste prendre ça. Succès déverrouillé, gospel. Ok. Alors, ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça maintenant. On va prendre l'histoire de manger un plat par jour pour avoir un cœur bleu. Bon, je vais dodo. Ça marche, le mec qui comprend rien. Bonne nuit alors, merci d'être passé. C'est très sympa. Vous pourrez manger un plat par jour pour gagner un cœur gris. Ok. Bon, bah, tant que vous êtes debout, discernement. Tant qu'à faire. Hein. Là j'ai tout débloqué en fait. Qu'est-ce qui va se passer quand j'aurai de nouveau un truc Je peux de nouveau débloquer un... Ah ça me met max, ok. Donc j'ai vraiment plus de doctrine à débloquer quoi. C'est fini. Ah va falloir que je refasse mes trucs de bois et de pierre. Mon Bismile est en train de mourir de faim. Ok. Il y a des plaxki. Ah, il y en a qu'un. Je peux en faire qu'un. Qu'est-ce qui manque? Des betteraves. Il me faut plus de betteraves. Non, mais c'est bientôt la fin de la quête d'Esther pour les plaxki. Tu vends pas des graines de betteraves, toi, maintenant que je les ai débloquées? Non. Ah, chier. C'est bien ça, c'est les betteraves qu'il faut. Mais j'aurais pas assez de graines, enfin de betteraves pour faire ta quête. Quelle déception. J'aimerais avoir des graines de betterave. Ça marche, joli puff. Bon travail demain. Bon courage surtout. Comme d'hab, de super sacrifices, j'ai hâte des suivants. Il y en a un dans pas longtemps. Attends, vous êtes en train de mourir de faim, j'ai oublié ça. Merde, je vais aller trop vite. Combien d'adeptes il me faut pour ouvrir la dernière porte?
Ok. Il m'en faut 12 et j'en ai que 8. On va acheter celui-là déjà. Putain, j'ai pas assez d'adeptes. Il est malade, super. C'est qui manque maintenant? Il manque Jigglypuff en fait. C'était combien? C'était le 3? Le 2? Mince, je sais plus. On va appeler Jigglypuff X. Tête de poisson, je pense. Ah, il y a lui qui est nouveau. Les poissons. Gagne les niveaux 15% plus lentement et la dévotion 10% plus lentement. La ferme se porte bien. Je vais vous aider à construire ça peut-être. Je peux refaire un serment. On va faire le garde de la foi. Greg sera notre garde de la foi. Son élément naturel, voilà, il est bien. Tu vas bien dormir comme ça. Je suis où moi? Et t'es pas encore morte, hein? Mais attends, je vais dire où t'es. Parce qu'en vrai, j'ai hésité à te donner un... J'ai hésité à te donner un collier pour que tu vives plus longtemps. Comme Jeffowski. En fait, on se pose la question pourquoi Jeffowski, après 70 ans, était toujours pas considéré comme vieux. Et ben en fait, c'est parce qu'il avait un collier de... J'ai peur que je suis pas occulte, là. Si tu le... Ah non, c'est peut-être parce que t'es malade. Oh la gueule. T'es où? Si, t'es là. Regarde, t'es là. T'es là et t'es bien là avec les nouveaux champignons que tu viens de prendre. Ouais, j'hésitais à te donner un collier pour que tu vives plus longtemps. Non, reviens Bubu. Interagir. Bah tiens, j'ai donné ça à toi. En train de crever dans un coin, mais tout va bien. Mais non! Tu te recueilles près d'une tombe, regarde. D'ailleurs, faudrait peut-être que j'en fasse d'autres. Ça peut être pas mal.
Ah mais il me faut de la pierre. Il faut que j'aille à la raffinerie. Voilà. Vous allez tous hypnotiser, c'est rigolo. Tiens, Riot 1000 là, 3. Bah tu sais quoi, après tout ce que t'as... Tout ce que t'as eu comme mésaventure Riot, je t'offre le collier d'immunité. Non, c'est pas d'immunité, mais le collier qui fera que tu vivras aussi longtemps que Jeff, quoi. Phil voue un culte à la jeunesse. Tu risques rien tant que tu vieillis pas. C'est un peu ce que je lui ai dit au début, ouais. Mais je vous fais un culte à la jeunesse, c'est juste que c'est les choses qui sont ainsi, quoi. Moi, je fais pas le... Je fais pas les règles, hein. C'est un peu Leonardo DiCaprio. T'abuses tellement. Ça va pas. Et oui, Cryo 3 a des stats pas ouf. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est... Ce qui compte, c'est Riot dans la vraie vie, quoi. Tu as sauté le pas, n'est-ce pas? Tu as goûté au pouvoir des champignons. Oui, tu es comme Sozo. Sozo est ton ami. Prends ceci en gage d'amitié entre deux amateurs de champignons. Prends en soi et fais attention. On ne peut faire confiance à personne. Personne? Donc même pas toi-même, en fait. Pas confiance en toi. Sozo aimerait te faire un autre présent. Quelque chose qui symboliserait votre passion commune pour les champignons et leur potentiel infini. Oh waouh, oh. La sculpture qui est hyper chelou. Elle est trop bien. Oh, on va la construire direct. Ah bah écoutez, méga cher. Mais on va se débrouiller. Faut que je fasse une deuxième raffinerie. Ne remercie pas Sozo. Place cette décoration dans ta base puis reviens voir Sozo. Sozo t'accordera un dernier présent. Sozo est juste. Sozo paye toujours ses dettes. Pas comme les infidèles qui se cachent partout. C'est un fan de champi comme Jean-Marie. Et Jean-Marie, celui que qu'on connaît là. Ou Jean-Marie Le Pen. Je savais pas que ton Jean-Marie était aussi fan de champi. Est-ce qu'il y a des poissons? Mais il n'y a jamais de poissons, mais c'est un truc de barge. Ah si, on a un peu quand même. En train de me dire que Sozo c'est Jean-Marie en fait. Est-ce qu'il y a un moyen dans ce jeu d'avoir un putain de homard? Un homard, s'il vous plaît. Notre JM, ouais, ok. Alors, qu'est-ce que j'ai eu? Un mur de pierre. Ah, ça, c'est cool, les murs de pierre. Il y a trop d'objets de déco. Je fais pas assez de déco dans ce jeu. Oh, le gros poisson, c'est un homard. Merde. Il y a des coins secrets à champi. Ah ah. Oh, le gros poisson, c'est un homard. Je vous le dis, c'est un homard. Putain, c'est un homard. Oh, vas-y, toi. Tiens, ton homard de merde. Ah là. Un homard, excellent. Comme promis, voici un bout de trésor. Enfin, j'ai eu ce homard. Ça fait 9 heures qu'on n'avait pas de homard. Voilà. Cette quête est enfin terminée. Tu manies la canne comme personne. Tu m'as rendu une fière chandelle. Si tu attrapes plus de poiscailles que nécessaire, je te l'achèterai. Et si le poisson se fait rare, je te le vendrai. Ah putain, trop bien. Je peux lui acheter des poissons.
C'est quand même barge, là, après tout ce temps, d'avoir enfin cette possibilité d'acheter des poissons, quoi. Merci pour GG. J'ai l'impression d'avoir accompli un truc de fou. Le gros. Ah non, c'est pas le gros, ça. Je voulais le gros. La exki. Ah bah peut-être. Hein. Non mais le plagski, on a vu que le plagski c'était le nom d'un plat en particulier, c'était pas juste le plat à 3 étoiles. Et pour le plagski il faut des... merde c'était quoi? Des aubergines? Je sais plus. Mais il faut un légume que je n'ai pas, enfin que j'en ai pas assez. 3 plagski qui gagnent vraiment... Ouais mais regarde à droite, c'est pratiquement fini, j'aurai jamais le temps. Je peux pas. Il n'y aura pas de romance. C'est-à-dire quoi, je suis... Ah. Je vais le montrer. Regarde. Le plagski, c'est ça. Un délice pour les papilles, 50% de chance d'augmenter la fidélité de l'adepte, plus 5 de foi. Les ingrédients, c'est des citrouilles, des choux-fleurs et le truc à gauche. Je sais plus ce que c'est. Betteraves, c'est des betteraves, je crois. Voilà, graines de betteraves. Ouais, c'est des betteraves. Et ben, les betteraves, j'en ai que 6. Et il en faut 6 par plagski. Ça veut dire que si je voulais en faire 3 comme demande la quête, il me faudrait 18. Et puis ben là, la quête, elle est finie dans genre 10 secondes quoi. Enfin, une minute, même pas. Gros, j'ai chou-fleur, ouais. Bah, ceux-là, j'en ai à foison. Qu'est-ce que tu me veux, Zombie Smile, elle veut me parler. Toi aussi, t'as un crush sur quelqu'un du culte? Dis-moi tout. Guide, des sceptiques et des hérétiques qui maudissent notre mode de vie souhaitent nous rejoindre. Des hypocrites, que comptez-vous faire? Oh putain, je peux recruter des adeptes rebelles. Des adeptes rebelles. Allez. On va d'abord faire une deuxième prison. On va les accueillir comme ce doit quoi. Oh oui, des rebelles. Bah super, bravo. Hein. Tu traînes avec qui, toi? J'ai un poste de nettoyage. Pourquoi ça nettoie pas les chiottes? Accepter et mêler en prison, c'est exactement ce que je comptais faire, ouais. Je suis une émo rebelle, moi. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'il a, lui? Ignore les rebelles qui voudraient l'influencer. Est-ce que ce serait pas un Zuko 2, ça, en vrai? Est-ce que ce serait pas un Zuko 2? Ou une Yue? On n'a jamais mis Yue en vrai. Hein. Alors Yue, il est un peu comme ça, non? Ils ont les sourcils français parce qu'ils sont rebelles. On va dire que Yue et Zuko, les deux rebelles, ça paraît cohérent, quoi. Comme ça, Yue. Yue, il est pas un rebelle. Ah bah, comme ça, en plus, j'ai ma réponse sur l'orthographe. Ah.
Voilà. Discipliné, Yue. Au fait, Zombie Smile, t'as recruté les chats de Esther et Loïc, quoi. Ah, mais il y en avait qu'un, je crois qu'il y en avait deux. Bon, bah, ok, il y a juste Yue. On a 9 adeptes. Enfin, 10 du coup avec lui, il me semble. Je dis que je vais faire une deuxième raffinerie. Non, une raffinerie plus niveau 2 là. J'avais débloqué le niveau 2. Qu'est-ce qu'il me faut? Ah, il me faut tout ça. Oh là 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 là. Ok, donc on va faire les choses bien. Donc il me faut 2 planches de bois et 6 lingots d'or. Donc 2 planches de bois, 3 lingots d'or. On va faire ça. On va rien construire d'autre avec ces ressources modifiées. Donc j'ai pas fait la raffinerie 2. Wow, vous avez fait ça pour moi, vous êtes véritablement incroyable. Mais de rien, Zombie Smile. Oh là là. Tout l'amour que tu m'as donné. Tiens, tu mérites une petite danse de la fidélité. Hop là. Tiens, lui qui est avant de crever aussi. Petite danse de la vérité. Enfin, de la fidélité. On va peut-être faire un peu neuf adeptes, il m'en faut 12 hein, il me semble, pour ouvrir la dernière porte. Je suis à 10 sur 12. Ok, il m'en faut encore 2. Bah tiens, j'ai plus assez de thunes. Ok. Ah bah oui, les lingots d'or forcément. Bah je vais vendre des trucs dans ce coffre là. Ah, j'ai tellement de bois, c'est taré. Ah oui, il y avait aussi l'autre avec son... Oh putain, non. Loïc. Heureusement, la foi était bloquée. Du coup, on n'a pas perdu de foi. Vous n'êtes pas obligé de vomir sur son cadavre, hein, vous savez. Ouais. Bon. Il n'y a plus de trou. En fait, si je découpe la viande devant un gars, je me demande ce qui se passe. Adieu. Bah ça va, ils ont l'air de tenir le choc. Je voulais que tout. Bah c'est gentil. J'ai tout récupéré sur ton corps. Le serment du jour.
Non, je me disais bien. Ils ont une façon très particulière de faire le deuil. Oui. J'avoue. Puis ils vomissent quand quelqu'un meurt, mais quand moi je découpe sa chair devant eux, il n'y a pas de souci. Ah oui, normalement je peux avoir une nouvelle cape là, une nouvelle pélisse. Alors, et qu'est-ce qu'il y avait? Vous infligez plus de dégâts pour chaque ennemi tué. Effet réinitialisé lorsqu'un ennemi vous attaque, vous subissez deux fois plus de dégâts. Ah, j'aime, ouais. J'aime pas trop ça. Maléfice inflige deux fois plus de dégâts pour deux fois moins de ferveur. Les dégâts de vos armes et de votre vie sont divisés par deux. C'est l'acte de mourir qui les fait vomir, pas toutes les sévices que tu nous infliges après. Oui, c'est vrai. Octroie un cœur corrompu à chaque carte de tarot tirée, mais vous perdrez 100% de vos nouveaux objets si vous mourrez. C'est pas très synergique avec mon truc de ressuscitation là. Résurrection. C'est ce que je voulais dire. Tire 4 cartes de tarot au début d'urgent, mais aucune carte ne pourra plus être tirée ensuite. Ouais, je vais peut-être prendre ça. Rip. Ouais, je suis désolé. J'ai essayé hein, pourtant, hein, pour une fois. Avec les lingots d'or, histoire que je fasse la raffinerie améliorée. Un peu de déco. On dit Smile qui a monté de niveau. Niveau déco. Et les murs de pierre. Ça surtout faudra faire après. Il faut 20 lingots d'or. Pierre de cristal, ok, pourquoi pas. On va le mettre genre... En fait, il me faut plusieurs lingots d'or encore. On va arrêter le bois. On va mettre full lingots d'or. Faut d'avoir mis ça ici. T'évites de faire les donjons, les anciens donjons pour récolter des. Enfin, retrouver des nouveaux adeptes. Du coup, je suis redescendu à 8 adeptes. Non, il y a 9 avec celui qui est emprisonné là. Donc, avec lui, je remonte à 10 normalement. Ça c'est Zuko 2. Comme ça. Puis énervé. Bon, il a quand même une croyance positive le Zuko 2 là.
Allez hop. On va mettre ça comme ça. Donc là, si je comprends bien, je suis à 10 adeptes, il en faut encore 2. Continuer dans ce jeu. Je vais retourner dans le premier donjon pour me faire Ok, j'ai plein de cartes de tarot. Pour faire des ressources. Esther atteint la vieillesse. Bah, et. Vous allez pouvoir faire votre romance là-haut, plus loin. Il me faut des os. Puis ben, on va aller chercher ce, on va chercher rapidement ce cercueil de témoin là, qu'on va refiler au marin là. Le donjon assez vite parce que à part des ossements, il n'y a pas grand chose qui nous intéresse dans ce donjon. Si on trouve un adepte sur le passage, ce serait bien aussi. Mais un truc que j'ai quand même oublié de faire, c'était le truc de manger un plat par jour là. Un cœur bleu. On se retrouvera là-haut. Mais oui, si c'est pas magnifique ça en vrai. Et tout ça, dites-vous que c'est grâce à ce culte. Ah bah là à droite il y a un adepte, parfait. Oh, une licorne. J'avais oublié qu'il y a plusieurs vagues. Aïe. Encore une fois, c'est de la hache ça. On manque de skill, c'est la hache. On a une licorne. Un peu creepy sa corne, mais. Une licorne quand même. Doucement. Ça fait plaisir. Pas dégâts dans cette salle de mort. C'était horrible. Tu peux l'appeler Aline.
la licorne. C'est une ref. J'ai pas la ref. Et qui a mis la licorne? Aline la licorne. Je crois que j'ai la carte de tarot qui me file des poissons quand je tue des ennemis. Ma collègue qui adore les licornes. Ok. Je vois. L'épée, là, parfait. Parce que la hache, j'en pouvais plus. J'ai tout visité. Ah ouais. On va faire un peu de vie. Comment ça que tu as retrouvé ton amour, blablabla. Zéro cœur bleu, un peu déçu. C'est plus qu'adoré à ce stade en fait. Ok. C'est comme la femme de mon parrain, elle est fan de, des vaches. Elle a plein de trucs à l'effigie des vaches, quoi. La dague, non, ça non plus. On continue, on fait vite. Bien les vaches. Ouais. J'ai pas une, un amour pour ces animaux, mais je peux comprendre. Ouais. Le boss. Ah, c'est pas c'est lui que j'avais déjà eu l'œil de témoin là. Il a m'en refilé un en vrai. Du bois, un petit cadeau. Bah effectivement il m'a pas refilé un deuil de témoin. Si je continue le délire là. Ah ça marche comme ça. Intéressant. En fait, je recommence le donjon du début. Est-ce que ce sera le même boss à la fin? Je
crois que je vais juste aller choper l'adepte à gauche, puis après je vais rentrer. Ah, c'est un adepte rebelle. Ils sont tous morts. Oh, comment je peux faire ça à nouveau? Arrivez-vous à percevoir l'obscurité de mon âme? Eh oui, joins-toi à moi. Merci, guide. Je t'en prie. Là, normalement, on a tout... On a les 12 recrues qu'il nous faut pour la quatrième porte. Fuite. Allez, cassons-nous. Des choux. Ouais, j'avoue, il était tout pire. Qu'est-ce que je vais prendre là? Ah, diminue le coût des rituels 50%. Allez, direct. Vu que j'en ai quand même beaucoup maintenant. Il échoue tout vénère. Alors, les recrues. Donc ça, c'est Aline, tu dis. La licorne. Bleu comme ça, c'est pas mal en vrai. Ah, c'est mieux sans le son, je trouve, en vrai. Y a quoi qui change entre le 2 et le 3? Ah, les espèces de petits... Ouais, ok. Je vais mettre comme ça. Bah, tiens, va prier. Lui est gravement malade. Ah bon? Ah, une en rose. Ah bah trop tard, pardon. J'avais pas vu. Est-ce qu'on se refait un Loïc 2 direct? Enfin 3 déjà, Loïc 3. J'ai encore pas eu de serre, je crois, dans le culte. C'est si, les serres. Oui, ok. Ça, c'est pas mal, non? Born again. Et tu pries comme une merde, ok. Allez. Du coup, bah, on va pas t'en aller prier, mais on va t'envoyer là-bas. Il m'a aidé à quelqu'un, ok. Ah, normalement, je peux faire ma raffinerie niveau 2 là. On va faire ça direct. Oui.
Ah, c'est bon, il est plus rebelle. Yue ne se rebelle plus. Bah libéré du coup. Pourquoi t'as changé de couleur? Ah, c'est bon. Du coup, j'ai pas assez de lits, je crois. Hein. Je fasse des lits. Bah si, j'ai pile 12. Pourquoi ça me met 11 adeptes en haut? J'en ai 12. C'est parce qu'elle a eu sa pâtée. Kiyue? Ouais. Allez. L'antre de la soie. Quelque chose me dit qu'il y aura des araignées dans cet antre-là. Je sais pas pourquoi. Vraiment. Je sais pas pourquoi je me dis ça, quoi. J'ai compté dans le total? Bah je crois pas justement. Je crois pas que je comptais dans le total, non. Poser Bubu. T'en tiens d'avoir ça. Faire un test. Ouais merde, je suis déjà au maximum de ma foi. Bah tiens, j'ai combien d'os? Ok. Je vais baisser ma foi avec ce rituel là. Comme ça, je peux la remonter.
se souvenant de Esther, non? Ça marche pas comme ça? Je sais pas. Sélectionner un adepte. Attends, quoi? Qu'est-ce que j'ai choisi là? Permet d'organiser les funérailles d'un adepte mort récemment et de gagner plus 22 points. Ah, il faut qu'il soit dans un trou. Ok. Bah du coup, tiens, voilà. Des fleurs sur la tombe d'Esther. Normalement, tu devrais en avoir 206 si tout va bien. De quoi? 206 quoi? Oh wow. Ah, Joggy Pop veut me parler. Kid, je voyageais dans les bois sombres avec mon acolyte lorsque des monstres ont attaqué. Je me demande ce qui lui est arrivé. Pourriez-vous aller jeter un œil? Trouver Méron dans le donjon bois sombre. Ok, on fera ça, ouais. Ah mais oui, en fait, j'avais sacrifié Jigglypuff pendant qu'il était en voyage. Pas ouf, ça. En fait, j'ai que des genoux, là. C'est qui est vieux, ici. La Zombie Smile, c'est la plus vieille, hein. Greg 3 aussi, mais Greg 3, faut qu'il reste ici. C'est lui qui extorque l'argent. Bah tiens, Fingar. Zombie Smile ou Fingar en vrai? Allez, Zombie Smile. Zombie Smile part en voyage, c'est parfait.
Okay, moi j'ai moi-même dégueulé. Prochain objectif, hein, vraiment faire cette sculpture de l'angoisse là pour les champignons. Je crois que je vais remettre l'autre cape qui me donne les cœurs bleus. C'est le jour. On va monter notre niveau de base d'attaque en même temps qu'on va pouvoir visiter le nouveau donjon. Je crois que le nouveau donjon, on va le regarder la prochaine fois. J'ai un peu mal au dos là, je vais peut-être m'arrêter là. Enfin un peu, j'ai clairement mal au dos.